Good morning, allez, Yiden et Tusra aujourd'hui, les Lunishmat Avram, Mordechai Ben Yitzhak Vefani, ainsi que les Refouat Arav Baruch Shmuel Ben Léa et Léa Bat Elisheva. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions à Sechet Moed Katan, Perek Bet, Mishnah Dalet. En lokrim batim avadim uvehema, ela le tzorech hamoed, ou le tzorech hamocher, she en lo mayochal. En mefanim mi bait le bait, aval mefaneu le chatzero. En mevin kelim mi bet aouman. Des nouvelles à la chôte sur les interdits de différents travaux et commerces interdits pendant Chol HaMoed, avec à présent En Lokrim Batim, on n'achètera pas de maison, Avadim, des esclaves, ou Behema, ou des animaux, Ella le Tzorech HaMoed, que si tu en as besoin pour la fête. Soit, t'as besoin d'une maison pour la fête parce que ta maison elle te convient plus. T'as besoin maintenant d'aller habiter dans la nouvelle maison pendant Chol HaMoed. Là, tu as le droit de le faire, tu seras plus à l'aise, tu donneras du kavod à Chol HaMoed. Idem avec Avadim, t'as besoin d'un esclave pour te servir. Ou bien, Behema, soit pour la manger, soit un cheval pour monter dessus. Tu vas acheter une voiture, c'est que si t'en as besoin pour partir avec. Mais pas juste parce que c'est l'occasion d'acheter une voiture, elle se présente devant toi, t'as envie de l'acheter. Non, ça marche pas. D'accord? Ça, c'est que les Tzorech HaMoed, ou encore, il y a une autre possibilité, les Tzorech HaMocher, c'est pas que toi, tu en as besoin pour Chol HaMoed, mais c'est les Tzorech HaMocher, c'est pour les besoins du vendeur. C'est quoi le besoin du vendeur? Parce que chez En Lo Meyochal, il y a un vendeur qui n'a pas de quoi manger. Soit, on va prendre que, par exemple, tu as besoin d'acheter une perceuse. Une belle perceuse que tu ne vas pas faire de travaux pendant Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de faire. Mais malgré tout, le vendeur, lui, il a besoin de vendre sa voiture parce qu'il a besoin d'argent pour manger, même s'il a de quoi manger, il ne va pas vendre de faim, mais il a besoin de faire qu'avant Chol HaMoed, acheter plus de viande ou quelque chose. Il a envie de vendre, tu as le droit d'acheter la perceuse. Cette fois-ci, c'est pour son bien. Donc, quoi qu'il arrive, il faut toujours qu'il y ait lié un intérêt pour le Chol HaMoed, soit de l'acheteur, soit du vendeur. Autre sujet, En Mefanin mi bait le bait. On ne déménagera pas d'une maison à l'autre, quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour Chol HaMoed. Mais juste que c'est l'occasion, ça fait déjà longtemps que je voulais prendre ce fauteuil et l'amener à la maison de ma belle-mère qui habite à... Chol HaMoed, on a du temps, je prends les enfants, je dis, allez, venez, on débarrasse le fauteuil. S'il n'y a pas d'intérêt pour Chol HaMoed, t'as pas le droit de le faire. En Mefanim mi bait le bait, on ne débarrassera pas, on ne déménagera pas d'une maison à une autre maison. Aval Mefaneu le Chatzor. Par contre, t'as le droit de le faire sortir dans ta cour. Soit le même fauteuil qui me dérange, j'ai envie de le faire descendre dans ma cave, qui est chez moi dans ma maison, sans sortir à l'extérieur, là j'ai le droit, même s'il n'y a pas d'intérêt pour Chol HaMoed. Il n'y a aucun travail dans ça, il y a juste une tircha, il y a une fatigue. Mais malgré tout, alors là, il y a une règle qui intervient, qui dit que si tu ne vas pas le faire Befaresia devant tout le monde, que tout le monde va voir, alors ça ne fait pas zilzoul pour Chol HaMoed. Le prendre pour l'amener dehors, pour l'amener, là il peut y avoir du zilzoul de Chol HaMoed. Tu méprises l'acte du chat de la fête. Mais si tu le fais, tu le descends sans que personne te voit, tchic-tchac, quelques minutes, là, tu as le droit de le descendre, si tu veux, d'accord? Et voilà. Donc, continue avec « Eve'en mevin kelim mi bet ha'uman » On ne rapportera pas des objets, ustensiles, vêtements même, des fois, c'est utilisé le mot « kelim »,« mi bet ha'uman » du « bet ha'uman » de chez l'artisan. Que ça veut dire? On va voir tout de suite. Je finis la phrase d'abord, mais s'il il craint pour eux, eh bien, dans ce cas-là, mefanan et chatzarachet, tu pourras les prendre et les amener dans une autre maison. Soit. En fait, on parle que, par exemple, j'ai donné des chaussures au cordonnier, à faire même pas réparer. J'en ai pas besoin pour Chol HaMoed, c'est mes crampons pour jouer au football, et pendant Chol HaMoed, je joue pas au football. Et je les ai donnés à l'artisan pour qu'il me les couse, qu'il me les fabrique, qu'il me les répare. Maintenant, pendant Chol HaMoed, il m'appelle, il me dit, vas-y, viens les chercher. Alors, est-ce que je peux aller les chercher pour les ramener à la maison? La réponse, elle est non, j'ai pas le droit de le faire. Puisqu'il n'y a plus d'intérêt pour la fête, tu n'as pas le droit de les prendre, parce que sinon, il y a cette fois-ci le zilzoul qui va y avoir. C'était précisé dans le Tiferet Israël, que les gens, ils vont croire que tu les as donnés à réparer pendant Chol HaMoed, en fait. C'est-à-dire, soi-même les transporter uniquement, tu es de passage là-bas, tu les prends, tu les mets dans ta voiture pendant que tu rentres, et tu les amènes à la maison, il n'y avait pas lieu d'interdire en théorie. C'est pas quelque chose ni qui fatigue, ni qui a un grand travail assez conséquent pour l'interdire en soi-même. Notre seul problème, c'est que quand les gens vont devoir revenir avec ça, ils vont dire « Ah, il est parti les faire réparer pendant Chol HaMoed, on a le droit pendant Chol HaMoed
de régler tous les petits problèmes qu'on a envie de régler, toutes les petites réparations, alors tu n'as pas le droit de le faire en public. Ok? Donc c'est interdit. Maintenant, malgré tout, situation maintenant nouvelle, que le Rochech là, il a peur pour lui. De quoi il a peur? Soit tu as peur que s'il va rester chez le cordonnier, il va se les faire voler, et même s'il va te les rembourser, vas-y, commence à les courir après. Donc tu préfères les avoir dans ta propriété. Ou encore même encore une autre éventualité, que lui, le Ouman, il n'est pas. Pour lui, la fête, c'est la fête, de toute façon, il a besoin de son argent, il veut son argent, il le veut. Ouais. Donc du coup, toi maintenant, tu pourrais venir le payer, tu laisses ses chaussures chez lui, en théorie. Mais d'un autre côté, il va savoir s'il va oublier que tu les as payées, ou s'il va faire exprès d'oublier que tu les as payées, il va les garder. Tu préfères, si déjà tu les récupères, tu les mets ailleurs, bah, tu peux les prendre, mais tu ne les ramènes pas à la maison. Tu les prends, tu les laisses chez quelqu'un. Ok? C'est ce que la Mishnah me dit, mais Fanan, tu les amèneras dans une autre course, dans une autre maison, chez quelqu'un d'autre. Tu les laisseras chez ton voisin, ou tu ne les prends pas chez toi à la maison. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.